Salut tout le monde, ici Deadcake. Aujourd'hui, on va continuer notre série Shadow of the Tomb Raider. Et si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la petite bande-annonce pour le serveur Minecraft sur PS4 qui va ouvrir aux 100 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Ça va être cool. Sur ce, continuez notre Shadow. Ça sent le piège à des kilomètres. Oh snap! Snap, crackle, pop! Un autre jump and destroy! Oh, c'était tellement plaisant la première fois. Si vous voulez. Hey boy. Je trouve qu'il manque de balles et d'explosions dans cette séquence. J'aurais définitivement plus de balles puis plus d'explosions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok. J'étais censé arriver de même debout sur... Oh, oh. Tu montes-tu? Non, tu montes pas. Oh. Ok. Ok, par là. Par là. Right. Ok. En haut, en haut. Alright, oh, non. Alright. Ah, oh, que c'est le fun! Un autre épisode de On meurt avec Lara. Ah ouais, so Gerdun. Ok, ok. Ok, plus de balles. Ici. Ok. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, en haut. Non, pas en haut. Sur le côté. Ok, là en haut. Oh. Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Tsunami se prépare et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous. Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. La seule à pouvoir faire quoi? L'année, ça. Baisser un petit peu l'animosité, augmenter ça. Oh, no. Pas noir et blanc. Ah! Right. Folle. Cray cray, esti. Oh, puis là, elle sort les gros jouets. Où tu es, Rook? Je vais te retrouver. Wow. Je peux t'accrocher, Rourke.
Je vais te le faire payer. Ici Rourke, j'ai dû rentrer en urgence. Et Winters, je te laisse Croft. Rourke! Ok, des munitions à pelleter. Wow, 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 ça y est. Non. Hey, aussitôt que je te vois, je te tue, là, mais... QG, ici Cardinal 2. Il manquait justement d'explosion encore un petit peu là. Bon, c'est-tu passé, là, cette petite crise existentielle-là? Ah, elle savait qu'il était pas mort. Eh ouais, t'as une fuse qui est sautée pour rien. Ça va aller. Ça va aller. C'est ça. Écoute le monsieur là. Mais non. Hey, c'est faux. On va y arriver. Allez. Où est-ce qu'on va? On doit bouger. J'en sais rien, Jonah! C'est quoi l'indice? Le cœur du serpent, quelque chose? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Et on parle de quoi comme coupe, en fait? Un genre de calice? Un calice, ça fait pas très Maya. Attends. C'est pas Maya. L'indice a été laissé par un missionnaire du XVIIe siècle, Andrés López, un jésuite. Le serpent dans le calice, c'est le symbole de Saint Jean. On cherche un lieu saint, catholique. Comme une église de Saint Juan. C'est un nom très courant. Il y en a des dizaines. Pas dans les environs accessibles de Paititi. Allez,
La route est par là. On va sortir d'ici, parler à des gens. Ok. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu serais probablement encore en train de faire exploser d'autres trucs. Ok, nice. Mais y voilà, l'église de San Juan. On va se séparer. Je vais chercher des traces de Lopez. Et nous, on se renseigne. On va peut-être trouver quelque chose. Ok. Mon amie Sarah est archéologue. Elle travaille à côté. Tu veux qu'on aille voir si elle a entendu parler de ton énigme ? Ce serait génial. Elle est fascinée depuis toujours par les visages de pierre. Les gens viennent ici chercher des trésors, mais pas Sarah. Elle veut juste des réponses. Est-ce que vous êtes amies depuis longtemps ? Depuis l'enfance. C'était l'intello, et moi je séchais les cours pour voler le camping-car de ma grand-mère. De temps en temps, je poussais Sarah à m'accompagner. Le plus souvent pour aller jouer dans des ruines. Abby, tu peux me filer un coup de main ? C'est cassé. Ok. Attendez, vous êtes la Lara Croft ? Oui. Je vous ai reconnue grâce à votre photo. Qu'est-ce qui vous intéresse ici ? J'étudie une énigme. Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Les visages de pierre ? Je les cherche aussi. Je veux pas marcher sur tes plates-bandes. C'est juste le serpent dans la coupe qui m'intéresse. Eh bien, je peux vous dire que les visages sont là depuis au moins 400 ans. D'après des documents de la bibliothèque, ils montent la garde. La légende dit qu'ils veillent sur une crypte secrète. Une crypte ? On n'a jamais pu la trouver. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est ce qui rend fou les chasseurs de trésors. Mais si la célèbre Lara Croft est aussi intelligente qu'on le dit, eh bien, si vous la trouviez, vous me rendriez sûrement service. Je devrais commencer par la bibliothèque ? Oui, elle est à côté du cimetière. C'est l'un de nos plus vieux édifices. N'oubliez pas de parler de moi si vous trouvez un truc. Merci, promis. Ok. Tout est ce quoi ? Vous avez dit que quelqu'un a disparu ? Oui, Isabella, un autre membre de l'équipe scientifique. Je suis passé la voir après les secousses ce matin, mais sa tente était vide. Voyez avec Manu. Il a sûrement dû lui dire où trouver l'Eldorado. Je plaisante pas. On s'est disputé hier soir. Méchamment. Je suis désolée, Guillermo. Je savais pas. Je t'en prie, continue. Vous vous êtes disputé ? Je peux vous demander de m'en dire plus ? Je vous en prie. On est devenus très proches depuis bientôt un an, et je crois que l'un comme l'autre, on aimerait que ça aille plus loin, mais on n'a pas encore osé en parler. Isa et Sarah ne s'entendent pas très bien. Pardon, Sarah, mais c'est le cas. Parce que Sarah insiste pour que son équipe garde les pieds sur terre et Isa a une passion pour les récits folkloriques et les temples cachés. Et moi, je me retrouve entre elles deux. Ces histoires viennent toujours de quelque part. Même si une partie est inventée, il y a toujours une base de vérité. C'est ce que pense Isa, oui. Mais bref, il y a un vieil homme aveugle qui vit ici, Manu, et il connaît 1000 histoires dans ce genre. Il l'a convaincu qu'une crypte était cachée quelque part dans le coin, et hier soir... Elle m'a demandé de l'accompagner pour la trouver. J'ai refusé, et donc on s'est disputé. Elle m'a traité de trouillard borné, moi de jeune fille sans cervelle, et je l'ai laissée là. Donc elle est partie. Oui, pour prouver aux grincheux qu'ils ont tort, comme elle a dit. Et ce matin, j'ai entendu dire qu'elle avait profané le cimetière pendant la nuit. Alors je me suis mis à sa recherche. Mais comme je ne l'ai pas trouvée et que personne ne savait rien, j'ai commencé à m'inquiéter. Et s'il lui était arrivé quelque chose pendant qu'elle cherchait cette crypte, je me le pardonnerai jamais. Très bien, restez là. S'il y a des nouvelles ou qu'elle revient, vous serez au courant. Je vais aller chercher Isabella, en commençant par le cimetière. Vous feriez ça ? Pour être franche,
Moi aussi, je suis curieuse pour cette crypte. Ok. Lara, t'as trouvé quelque chose ? L'ami d'Abby a parlé d'une crypte quelque part près de la bibliothèque. Je te retrouve là-bas. Vous êtes venu chercher le salut ou les secrets de la mission ? Je sais pas trop. Les deux, peut-être. Ah, attendre que la vie se déroule devant vous, c'est le luxe de la jeunesse. Moi aussi, autrefois, je me laissais porter. C'est pour ça que vous êtes là. Hein ? Oh, d'une certaine manière, oui. Je peux vous donner un tout petit conseil ? Faites votre choix. Avant qu'on ne vous l'impose. Ah, mais je ne m'en mêle pas plus. Vous voulez faire affaire ? Ok. Je parie que vous en serez ravis. Très bonne affaire. Cet échange me paraît équitable. Je parie que vous en serez ravis. Très bonne affaire. Ça, je peux quasiment toutes les vendre, je les utilise jamais. Cet échange me paraît équitable. Same pour ça, on n'utilise jamais ça. Je parie que vous en serez ravis. Très bonne affaire. Cet échange me paraît équitable. La peau. Je parie que vous en serez ravi. Cet échange me paraît équitable. Très bonne affaire. Cet échange me paraît équitable. Très bonne affaire. Pour pistolet, je veux bien. Je parie que vous en serez ravi. Revenez vite, mademoiselle. Les armes qu'on a. Fait débloquer un feu de camp quelque part. Ok. Feu de camp, ben. Heureusement que Jonah est en vie.
Il n'a aucun mal à se faire des amis. J'aurais probablement fait le trajet à pied jusqu'à la mission. Mais Jonah, il a simplement demandé à Abby de l'amener. J'espère qu'on est au bon endroit et qu'on trouvera la boîte avant les Trinitaires. Le séisme a frappé la raffinerie l'année dernière. Et avec le volcan maintenant, on est peut-être la cible du prochain cataclysme. Faut qu'on mette un terme à tout ça avant que la ville finisse comme Cozumel. Lui aussi il sort des DLC puis on peut pas le modifier. Silencieux, il est où? Okay.
Ok. Ah ok, donc ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous revois dans le prochain épisode, ciao!